elle se ferme les yeux pour voir si les ombres dansent de par deux. Valérie Clio lance le mini-album court-métrage alors qu'elle ressent le besoin d'interpréter et d'offrir des chansons qui réconfortent et qui apaisent. En fait, je travaillais sur un autre projet quand j'ai eu besoin de shaker la boîte un peu. Puis de... Ça fait 3 ans que je travaille sur un projet de négritude, puis comment le mettre en musique, puis tout ça. Je te dirais qu'avec le branle-bas de combat de ce qui se passe aux États-Unis, je me suis fait « OK, ouais, ça revient, puis wow, j'ai-tu le goût d'aller là-dedans tout de suite? » L'opus court-métrage a pris forme en quelques mois, en complicité avec le guitariste Guillaume Tondreau. No matter how far, no matter the sequence. Il est plus folk, mais il est très soul aussi, puis il est très... blues roots, comme on peut dire, là, les racines du blues avec le finger picking très le sud des États-Unis, mettons. Alors on y ferait la pause pour se dire les choses qu'on oublie ben trop souvent comme je t'aime. Valérie Clio a écrit une chanson d'amour toute spéciale intitulée Skit Rose. Skit, c'est... Dans la musique néo-soul, Erykah Badu, dans le hip-hop aussi, des fois, il y a des 30 secondes qui n'ont aucun rapport avec le reste de l'album. C'est rare que je dis ça, mais cette chanson-là, je m'étais toujours dit que je la dédierais à quelqu'un qui m'est vraiment cher. Puis mon chum que j'ai là, Kevin, il est tellement hot que je l'ai écrite en disque pour lui. Mais ce qui est trop, c'est vraiment une déclaration d'amour, vraiment. J'espère que les gens qui vont tomber en amour, qui vont se l'approprier. L'album court-métrage est disponible sur les plateformes numériques en attendant la sortie du format vinyle de cet opus qui fait du bien. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.